Bonjour à tous, si je ne puis rien faire, serait-ce mieux? Aujourd'hui on se retrouve sur Monster Hunter Rise pour une nouvelle vidéo. On va parler des épées longues. On commence cette test, hein, on va parler français, avec le Mirage Fantôme, qui est l'épée du Chameleos. Accompagné de ça, on a toute la panoplie Valstrax. Vous l'avez vu dans une dernière vidéo, je n'ai pas vraiment changé. Donc on va avoir du cœur de dragon, mise à mort, rengainage éclair, esprit indomptable bien sûr, qui fait partie de la panoplie avec un petit savoir-faire, affûtage rapide bien sûr, parce que ça va nous servir, tranchant blanc, vous connaissez, assez trempé, affûtage rapide. On a du mise à mort, rengainage éclair, berserk, et un talisman avec assez trempé et rengainage éclair qui va m'être très utile. C'est pour ça qu'on a réussi à faire ça. Malheureusement, on reste niveau 2 au berserk, on aurait gagné quelques points en plus, mais... déjà, si on a tout ça, c'est vraiment intéressant. On va tester avec, bien sûr, le cœur de dragon aussi activé. Je répète souvent ce mot, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, on est parti, on va chercher les meilleures épées longues pour un maximum de dégâts. Je vous conseille, niveau talent, de mettre le second combo parce que vous allez déclencher justement celui-là avec un... comment dire, plus facilement que l'autre. Je parle, bien sûr... de ça avec un tranchant assez moindre. Là on peut le lancer, tandis que l'autre avec un truc comme ça vous pouvez pas le faire. Donc ça va plus vite. Donc on est parti, on va attendre que les dégâts reviennent à zéro pour voir combien on perd avec bien sûr le brise-casque. Nous sommes à 911 pour un premier test. On va en faire ça deux fois parce que on a que 65%. 911. On n'a que 25% justement de coups critiques, donc j'ai envie de faire plusieurs essais à chaque fois dans les armes. On va charger un peu. On va réaiguiser avant. ...837, donc vous voyez qu'il y a quand même une grande importance par rapport au premier. On va faire trois fois en tout à chaque fois. Donc on est à 911, 837... Et 986, je crois que c'est le mieux avec les coups critiques. Donc on a 986 de ce côté-là. Donc voilà, c'était le petit set assez sympathique du Mirage Fantôme avec assez trempé. Donc c'est toujours bien avec une épée longue d'avoir le tranchant infini. On passe à la suivante, c'est parti. Nous voici avec l'épée longue Tamo Noir O. On n'arrive pas à prononcer. Qui est l'épée longue du Mitsune. On a pris ça parce qu'il y avait un fort taux d'attaque à 210. On a mis bien sûr le bonus d'attaque pour arriver à 218. 22 de haut, affinité 15%. C'était assez intéressant. On a la couronne du Kaiser, la côte Barrios, l'avant-bras Valstrax. Attention bien sûr à ne pas activer Cœur de Dragon à 50% de votre vie. Bouclin Jana S avec l'attaque, greffe avec maître d'armes et l'attaque. On a un petit rage élémentaire en gainage éclair. Côté Tala, on en a beaucoup là qui sont à 1 avec rage élémentaire, Koram, mais ça suffit. Grâce à ça, on arrive à avoir 100% d'infinité. On a 40 de base, plus Koram, plus mise à mort, on a 100% quand vous tapez les points faibles. Donc c'est ça qui est intéressant. J'ai choisi ça à la place du tranchant blanc, car tranchant blanc, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un gainage éclair. C'était très compliqué de faire les deux, parce que j'ai pas de bon talisman. Hein. Si vous avez des trucs meilleurs que moi, n'hésitez pas à m'envoyer ça, à faire ça. Hein. Donc destructeur, voilà, j'aurais préféré avoir un petit rengainage éclair. Rage élémentaire, ça aurait été plus intéressant, mais destructeur, on n'a pas le choix malheureusement niveau talisman, on n'est pas verni dans cet opus. Du coup, on va voir les dégâts qu'on fait. J'avais commencé un peu à le charger, on est au jaune, on va vite le passer au rouge. C'est pour ça que j'ai accéléré les explications. On refera un truc un peu plus correct à la fin. Donc là, comme on est à 100%, de coups critiques, hein. On va faire qu'un seul test parce qu'on va taper bien sûr et on le refera, mais vous allez voir, on va toujours faire le même montant. Donc on est à 906, on tape du 107 en bas, on va refaire ça, mais on sera toujours à 906 bien sûr. On s'est raté.
On s'est raté, on ratatouille. Donc voilà, c'était le katana qui est quand même assez intéressant avec une grosse base d'attaque, un tranchant bleu. Hein. Faudrait tester tranchant blanc, mais comme je vous l'ai dit, c'était impossible de mettre rengainage éclair, berserk, mise à mort et le tranchant blanc. Et en plus, il m'aurait fallu assez tremper avec, et je pouvais pas. C'était assez trempé qui bloquait, donc j'ai choisi ça. On fait quand même 906 toujours. Ça, c'est peut-être assez jouable sur les monstres avec une affinité eau. Mais pour l'instant, on a vu mieux, c'est pas le meilleur. Mais il reste assez intéressant avec ses 100% d'affinité. Allez, on passe au suivant. Nous voici avec le katana grinçant. J'ai voulu essayer ça, justement, parce que j'aime bien les coups émoussants et tranchants verts. Donc on va voir si c'est vraiment rentable. On a 230 d'attaque, donc c'est pour ça qu'on a pris celui-là qui était assez intéressant. On a un double emplacement. Du coup, on lui a mis, je sais plus, on verra. Je crois que c'est matraquage ou œil de l'esprit, c'est œil de l'esprit. Donc bien sûr on joue avec ça, couronne du Kaiser, la côte Barrios, avec Koram, Berserk, affûtage rapide, rengainage éclair toujours. L'avant-bras TYS, bien sûr, avec matraquage, œil de l'esprit, Bouclanjana S, machine de guerre, Grève Lingo S. Les 7 se ressemblent beaucoup, toujours le même talisman qui sert à rien avec Destructeur. Donc voilà ce qu'on a, on a du maître d'armes, du machine de guerre, berserk, matraquage, rengainage éclair, affûtage rapide, nerf d'acier, œil de l'esprit niveau 2, je peux plus l'avoir niveau 3. Mise à mort 1, Koram 1, Destructeur et diversion pour être visé, pour faire des contres. Donc on a le jaune, on va tout de suite passer au rouge, on va voir ce que ça fait niveau dégâts, voir si le tranchant vert avec matraquage est viable dans le jeu. ...785. Donc vous le voyez, c'est pire. C'est vraiment pire de ce que je m'attendais. 785. On note. On va passer au second. Parce qu'avec cette arme-là, on a combien? 35%. On a une mise à mort qui est cachée, non? Mise à mort, il n'est pas du tout. Mise à mort, on est à 40. C'est pas terrible. Hein. 35%. On est à 50% de coup critique. Donc c'est vraiment très peu. Je choisis de mettre matraquage. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de choisir des coups critiques? Donc on va voir ça. Mais je conseille pas du tout. On a testé, hein. C'est un test à la base, mais je conseille pas du tout. C'est pas viable de jouer avec ça. 761. On est en train de régresser. On va en faire un dernier, parce qu'on n'a pas de coups critiques, en fait. Hein. C'est ça qui fait défaut, hein. Il faut à chaque fois charger et faire un truc. Hop. Donc on est parti. On a 785, 761. Allez, critique. 732. On va pas aller loin. On fait que régresser, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Du coup, on va s'arrêter là pour ce katana. C'est pas vraiment viable. On a voulu tester le coup innocent avec le matraquage. Et au final, on se rend compte que le tranchant, c'est vraiment plus important. Donc, on passe au suivant. L'héritage de Kamura, qui est l'arme qu'on vous donne à la fin du jeu, que vous pouvez améliorer, bien sûr. C'est ce qu'on a fait. Donc, on est parti chercher le tranchant blanc. C'est ça qui va nous intéresser. On atteste avec machine de guerre tranchant bleu, mais on perd plus avec le tranchant blanc. Vous comprenez pourquoi je parle de machine de guerre. On a couronne du Kaiser, avec maître d'un berserk et diversion. La côte de Vac S, savoir-faire, rage élémentaire, pyromane. On va taper dans les coups critiques. Hein. C'est une arme, on a 95% de coups critiques. Du coup, j'ai préféré mettre rage élémentaire et pyromane que machine de guerre. Avant Braval Strax, à Toro a raison. Avant Braval Strax, bien sûr, attention, 50%, sinon vous perdez votre élément feu. Mise à mort, rage élémentaire, boucle chrome avec savoir-faire, rage élémentaire, pyromane. L'encamador pour le berserker. On a talisman, toujours pareil, rengainage éclair, destructeur qui sert à rien, et pyromane. Côté talent, on a niveau 5, maître d'armes 3, berserker 3, rage élémentaire 3, savoir-faire 3, rengainage éclair 3, mise à mort 2, force en destructeur. C'est toujours ça, hein.
Destructeur, on s'en fout, on n'a pas de meilleur talisman, donc encore une fois, c'est pas des sets vraiment opti. Vous pouvez mieux faire que moi avec le talisman que vous avez. Enfin, c'est juste niveau talisman. Donc on va voir ce que ça donne avec le brise-casque, comme toujours. Je trouve l'épée trop trop belle. Je suis trop fan du design. Par contre, vous voyez, le tranchant blanc s'épuise assez rapidement. Donc on est parti. Quand on voit le 18 830, honnêtement, on pourra pas faire mieux. Parce qu'on a 95, je pense qu'on a fait le maximum. On va en refaire un autre pour voir. Et on dépassera pas, on va noter ça, le 830. Donc on est parti. Il a 126. Je n'ai absolument rien dit. Alors là, je ne comprends absolument pas. Donc c'est devenu tout à coup assez intéressant. Donc on a réussi tout à l'heure. Avec 95%. Ou alors j'ai mal tapé. Attendez. Attendez. Ça mérite notre explication. Ça, il y a quelque chose qui cloche. Je pense qu'on avait mal tapé. En même temps, est-ce qu'on peut plus à mal taper alors qu'on a fait plus de dégâts? Non, c'est ça. Ça reste quand même... C'est quand même assez bizarre parce qu'on a 65% d'affinité, je le rappelle. On a bien sûr mise à mort niveau 2, on est à 95%. Mise à mort n'est pas compté. Hein. Les 65, c'est juste les 40% avec 15% de maître d'armes. Non, qu'est-ce que j'ai dit moi? On a combien de bases? 40%, exact. Et on a 15%. Et on a un corps âme qui traîne. Et moi je comprends pas là. J'ai pas corps âme, hein. Ah, c'est force latente! La force latente qui s'est activée. On ne sait pas pourquoi ça s'est activé. Donc, voilà, on oublie force latente. On va avoir, je dis n'importe quoi, du coup, 85% d'affinité. Donc vous avez 95% d'affinité sur ce set. Donc c'est quand même assez intéressant. Il fait de bons dégâts. C'est plus que le Mitsune d'avant. Donc ça va être pas trop mal. Niveau faiblesse, élément feu, bien sûr, hein, je parle là-dessus. On n'est pas encore à fond, je pense qu'on peut mieux faire. Donc on a trouvé d'où venait, ben, ça c'est parti. Force latente, c'est vraiment un talent incompréhensible. Du coup voilà, on a ça. Maintenant on l'a plus, donc on est de retour à 55%. On est à 85% d'invité, voilà, j'ai pas compris quand j'ai vu le reste. Donc on se retrouve pour une nouvelle épée longue. On a vu celle-là, on a vu 830, on résume, hein, 926, 869, 897... Donc c'est pas trop mal, mais au moins le Mitsune nous assure à chaque fois les 906. Les 100% d'affinité, vous vous rendez compte que c'est vachement important finalement. Voici l'épée longue Nuit Profonde qui est celle du Narakuga avec une bonne affinité, un tranchant blanc. On a choisi le bonus d'attaque accompagné de la panoplie Valstrax bien sûr, avec Berserk, Machine de Guerre. On a du Vengeance qu'on a l'habitude de Berserk. On a le petit talisman Rengainage Éclair que vous avez vu auparavant. Donc ce qui nous fait un total de Machine de Guerre 3, Cœur Dragon 5, Vengeance 3, Esprit Indomptable 3, Berserk, Mise à Mort 2, Niveau 3, Gainage 4, 3, Flèche Rapide, Destructeur et Nerf d'Acier. On pourra mettre Diversion parce que Nerf d'Acier, je vois pas l'intérêt. On va vite le faire parce qu'on est déjà au rouge. Donc on gagne du temps et on mate combien on fait. 987, ce qui est quand même excellent.
Et c'est même très excellent. Car c'est pour l'instant, hop, égal avec le Chameleos à un point près. L'avantage avec le Cham, c'est que on va avoir ce tranchant infini pendant 90 secondes. Qui niveau jouabilité peut être un peu plus viable. On va voir si on retire cet exploit. 945. Donc on fait quand même un petit peu plus de dégâts. Surtout quoi, 65% d'affinité, vous le voyez, c'est vraiment important l'affinité pour cette attaque. Et là on est avec le Chameleos, je parle, bien sûr. En point faible, si on a que 15, alors que là on est déjà à 40, c'est pour ça que ça devient plus intéressant de jouer cette arme. On va refaire une dernière attaque. Histoire d'avoir... Hop, c'est vrai que si je charge pas comme ça, on va pas s'en sortir. Donc les dégâts sont similaires à peu près, on est un peu plus haut que le Chameleos, mais après c'est à vous de voir si vous préférez bien sûr l'acier trempé à ça. Donc c'est à vous de faire votre choix. C'était l'épée longue qui est vachement sympa avec bien sûr cette panoplie Valstrax qui est vraiment très forte. Donc Narakuga qui reste vachement intéressant avec sa grosse affinité hein. C'est être ça le point fort de cette arme. La voracité du Tigrex qui reste l'épée longue avec le plus haut taux d'attaque avec un excellent tranchant. On est à 230 et on a une affinité de moins 20%. J'ai mis le bonus lien de soi que bien sûr il faut débloquer bien avant d'arriver au Tigrex dans l'arbre des armes. Il faut le faire avec les épées longues os et ensuite vous basculez directement sur le Tigrex. J'ai choisi ça parce qu'on va perdre beaucoup plus de dégâts avec le brise de casque. C'est ce qui va nous intéresser. Même si le bonus affinité reste quand même sympathique, mais vous arrivez à quoi? À 10% au lieu de 5%. Vaut mieux, moi, je pense, prendre ça. On a avec cette arme la couronne du Kaiser, maître d'armes, berserk, affûtage rapide. La côte Barrios avec Koram, berserk, rengainage éclair, affûtage rapide, nerf d'acier. L'avant-bras Valstrax. On a mise à mort, machine de guerre. Là, si vous dépassez les 50%, ça ne fait rien puisque cette arme n'a pas d'éléments. Donc, ça, vous pouvez vous permettre. La boucle Anjana S avec machine de guerre, mise à mort, berserk. Machine de guerre et maître d'armes avec diversion pour les greffes lingots. Et le talisman, rengainage éclair, destructeur. Un talisman que vous pouvez avoir beaucoup mieux que le mien. Du coup, on a machine de guerre 5. On ne peut pas avoir le 7. C'est pour ça que le petit talisman, rengainage éclair, machine de guerre, ça aurait été sympathique. Maître d'armes 5, berserk 3, mise à mort 3, rengainage éclair 3, filage rapide 3, nerf d'acier 3. Juste j'en ai marre de me faire toucher quand je fais des combos, donc j'aime bien être en ligne et faire mon combo tranquille. Et diversion pour contrer. Donc on va passer, comme d'habitude, au rouge. Le souci c'est que vous voyez, le tranchant blanc se désagrège assez rapidement. Donc on va aiguiser, permettre aux dégâts totaux de passer dans le combo précédent. Et on va enchaîner avec un brise-casque. Donc déjà on fait un 24. On est à 1077. Vous voyez, on fait des coups critiques à 131. Le bonus lien de soi, il y est pour beaucoup là. Donc Tigrex. 1077. On va enchaîner avec un autre. Le souci c'est le tranchant. C'est... purement et simplement le tranchant. À la vitesse où il part le truc. Est-ce que ça serait rentable? Assez trempé, on pourrait pas, c'est assez compliqué. Il faudrait avoir un gainage assez trempé, même si je l'ai, hein, mais après on perdrait un... On a juste niveau 1. On perdrait Koram, non Koram là, on perdrait un mise à mort ou un berserk. Même une machine de guerre. Ça serait peut-être rentable. 1140. Écoutez, vous savez quoi? On va aller faire ça.
car je trouve ça tellement dommage de perdre du tranchant avec cette arme. Bien sûr, on est à en affinité, on est à 55%. Hein. 65, pardon. On a Coram qui s'est activé, donc on passe à 15%. On est à 65% d'affinité. Vous pouvez mieux faire que moi. Mais là, il y a un truc qu'il faut absolument que je change. Ah, on perd Berserk. Et non, on a besoin de Berserk. Ouais, c'est compliqué. Il faut avoir un meilleur talisman pour faire ça. Je voulais tenter un truc dans cette vidéo, mais tant pis, on va rester comme ça. Je vous ai présenté l'arme, on va en refaire un dernier parce que c'est intéressant de savoir. Pour l'instant, c'est la meilleure qu'on a testée. Surtout qu'on n'a pas le Valstrax avec ça. Donc, c'est pas rentable avec le Valstrax. Il vaut mieux faire ça avec le bonus lien de soi. Parce que le Valstrax, ça vous donne juste que le mise à mort de niveau 3. Et cette arme a déjà moins 20 d'affinité. Donc, c'est pas du tout rentable au final. Allez, pour le fun. 1064. On a fait du 1077. 1064, 1140 qui va être le plus gros. Hein. Je pense qu'on peut faire mieux. Hein. Bien sûr, mais on va s'arrêter là. On a fait les 3 tests. C'est pour l'instant la meilleure épée longue du jeu. Pour l'instant, de la vidéo. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. On termine donc par l'épée longue Lame du Cuirassé, qui est celle du Valstrax avec la panoplie entière. Nous avons pour cela du Rage élémentaire, du mise à mort en gainage éclair. Rage élémentaire toujours. Le Berserk, il est là. Nous avons l'autre ici, et le premier, on l'a zappé dans l'épée longue. Alors, côté talent, on a Cœur de Dragon 5, Profondeur 4, Vengeance niveau 3, Esprit Notable 3, Berserk niveau 3, Mise à Mort 3, Rage Élémentaire 3, Rengainage Éclair, on va jouer justement avec Cœur de Dragon. Le souci, c'est que Rage Élémentaire, pour le faire, on a que 50% dans les points faibles, sinon vous l'activez pas. Donc voilà, ça va être... une épée longue qui va faire de beaux dégâts, mais surtout dans les points faibles. Là, vous voyez que c'est assez intéressant. Alors, pour faire débat, on a testé bonus d'attaque à un Valstrax. On fait plus avec le bonus d'attaque, malgré les 20% qui sont assez sympathiques. Mais comme on a que le niveau 4, je me dis que ce serait peut-être plus intéressant si on arrivait à faire les 20% et les autres 20% qu'on peut cumuler. Donc pour l'instant, on perd en attesté, on perd plus avec l'attaque. On va voir comment on fait. On fait du 723 avec aucun coup critique. Vous l'avez bien vu, c'est ça le point faible. Je pense qu'on peut perdre largement, même largement plus que ça. Donc on va recommencer. Mais le souci, c'est les 50%. Comme toute arme, et pas non plus Valstrax, hein, bien entendu. On a justement la Narakuga qui vient combler ce déficit avec ses 40%. On passe de 723 à 869. Ce qui est quand même assez... c'est pas mal, mais l'écart est trop important pour que ça soit viable. Honnêtement, vous avez pu le voir, vaut mieux jouer avec le Narakuga. On fait plus avec le feu de Kamura. Je parle bien sûr avec cette technique, hein. On mise tout sur le brise-casque parce que c'est ça, bien sûr, avec les épées longues qui vont vous faire le plus de dommages. C'est vraiment arriver au tranchant, arriver à l'épée rouge et de balancer un brise-casque dans la tête du mob. Donc du coup là, on est à 723, on va en faire un dernier 869, pardon. C'est pas ouf, hein. Ça reste un bon katana dragon, mais au final... L'élément, on voit bien que côté affinité dans cette... Ouais, le tranchant est quand même monstrueux. Le tranchant, il n'y a pas à dire. 860. Donc vous voyez, on a voulu faire mieux, on a fait pire. Allez. On va essayer de faire un full coup critique, on a 50%. C'est ça qui est assez dramatique. Bien sûr, faut pas améliorer ça avec... vos compagnons félines qui vous accompagnent dans l'émission, hein. C'est bon, pourquoi je recommence, hein. Donc on a du 723, je répète, 869, 860, avec ce site-là. 923, voilà, j'ai bien fait d'insister. On termine avec ça, là où on a enchaîné beaucoup de coups critiques. Mais, c'est sympa, mais ça reste pas viable. Il faut viser...
Le 100% ou alors le lien de soi du Tigrex, c'est quand même monstrueux. Hein. Vous voyez les dégâts qu'on fait avec le Tigrex, on a que 65% d'affinité. C'est déjà plus que ça. Je précise. Hein. Donc je pense que le Tigrex reste le meilleur. La meilleure épée longue, pardon, du jeu. Mon set n'est pas vraiment opti. J'en ai vu avec des machines de guerre à fond, etc. Donc si vous avez des meilleurs talismans, je vous conseille de prendre le lien de soi et le Tigrex pour faire le plus de dégâts. Le feu du Kamura, on l'a testé, c'est assez sympa si on veut taper dans les éléments feu, ça reste une bonne épée longue. Le Mitsune, pareil. Le Chameleos est sympathique avec l'acier trempé. On peut faire ça avec cette arme-là, donc ça reste viable. Le Narga, il va falloir aiguiser, mais vous avez au moins les coups critiques à 90%, ce qui est quand même monstrueux. Dans les points faibles, je parle bien sûr, avec la panoplie Valstrax. Mais sans la panoplie Valstrax, parce qu'on y arrive, grâce à Lien de Soi, la meilleure épée longue, pour résumer, vous l'avez vu, en termes de dégâts, je parle de brise-casque, attention, ça va être le Tigrex. Malgré son tranchant assez affreux au final, hein, parce que ça va vous obliger à aiguiser, vous perdez un temps fou. Moi, je joue personnellement avec le Chameleos, que j'aime bien. J'aime bien essayer de tremper, je trouve ça vraiment pratique. Surtout à 4, où il faut aller vite, ou même seul, hein, si vous voulez se faire des speedruns. Le mieux, ça va être le Tigrex, bien sûr, mais l'aiguisage est quand même assez sympa dans le Chameleos. Vous avez besoin de faire pas moins de fois que le Tigrex, vous avez bien vu comment ça se désagrège. On se répète un peu en boucle, là. Ouais, on sent la fin. Donc voilà, c'était le test épée longue. J'espère de ne avoir rien oublié. Encore une fois, si vous en avez d'autres que vous avez testé, que vous me dites que vous perdez un peu plus de dégâts, parce que sûrement vous avez de meilleurs sets que moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On accepte les meilleurs talismans. On connaît la galère pour les avoir. Donc on se retrouve pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, le pouce bleu. On est tous les soirs en live. Pratiquement, je balance des infos qui sont pas vraies, on va y arriver. On est souvent en live, on fait des missions, on aide et tout, plein de gens ont rejoint, donc c'est assez sympa d'aider et de jouer avec les autres. Et on se retrouve pour des prochains tests, hein, prochaines vidéos, et bonne chasse à tous.